Je suis avec le vice-champion de France de boxe anglaise, Samad Ferdawi. Ok. Tu permets, on va te poser quelques questions. Ah, grand plaisir. Oui, c'est la première fois que je viens en Russie, ici. Mon voyage s'est très bien passé. Bon, ça s'est passé en deux étapes avec une escale en Lettonie qui s'est très bien passé. En venant de Paris, et maintenant on est arrivé en Russie, il fait très beau. Contrairement à, on pensait qu'il allait faire froid et tout, mais non, en fait, il fait très beau. Et bien sûr, Maroc gagnant. Une belle victoire, je pense, 2-1. 2-1 ou 2-0. Ouais. Donc, je ne vois pas perdre contre l'Iran. Si on perd contre l'Iran, c'est une contre-performance, je pense. Et on n'a plus rien à faire en Coupe du Monde si on perd contre l'Iran. C'est je pense. Okay. Oui, alors moi j'ai été, je suis devenu vice-champion de France de boxe anglaise en France, donc numéro 2 français. En quelle année? En 2015. Et je suis triple champion d'Île-de-France et champion de vice interrégion. Et voilà, je compte maintenant passer professionnel et représenter le Maroc, Inch'Allah. Ok. Il vient d'Insgan Tarzout. Ciao, Kaou. Well, I think it's going to be an interesting match. And I hope the best for the both teams. I hope they would have a good challenging match. And well, I'm willing that Iran would win because I'm a supporter. Okay. But I wish the best for Morocco as well. Je suis tombé amoureux de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est une très jolie ville. Les gens sont vraiment très sympathiques. Ils sont ouverts à d'autres cultures, à d'autres langues. Ils essaient de parler anglais. Moi, je parle anglais. On voit quand même des vestiges du pays communiste, quelques vestiges, surtout la voiture Lada, ah, oui. Lada, qui m'a interpellé au départ. Mais en dehors de ça, je vois que les infrastructures sont tout à fait correctes. Ils n'ont rien à envier aux pays occidentaux. D'après ce que j'ai vu, hein, dans un premier temps. Je viens de Madison, Wisconsin, la capitale de l'État du Wisconsin. Et vous êtes venu seul? Je suis venu avec ma femme, Heidi, ma fille Nora et mon fils Matty. Ils sont là. Well, I think we would score 2 goals for sure. 2 goals? Yes. Against 0 or 1? Let's say 1. Okay. You might have one chance. We have a good goalkeeper. Okay. And we have a good attackers. Okay. Eh bien, écoutez, le Maroc a une équipe extrêmement compétitive. Et je souhaite du grand bonheur à notre équipe. Il y a un public marocain qui est présent. On croit en cette équipe. On y croit énormément et j'espère qu'on va passer le premier tour. I think that 1-0. Iran wins. What do you think? I really think Morocco will win 2-0. 2-0? That's what I think. Because nice, 2-0. But 2-0. Thank you for your participation. Yeah. Okay. How about Iran-Spain? Yeah, what about Iran-Spain? Iran-Portugal, it's going to be very tough, huh? It's going to be coach. Really? Yeah. Spain? Yeah, it's going to be tough, but I don't know, at least Portugal, Iran versus Portugal, is going to be a little bit easier because the Iranian national team, their coach is Portuguese, so he might have a good idea that what is it like to play against Portugal. So we might have a little chance against Portugal, but Spain, I have no idea. Maroc, Iran, je pense que on va dominer le match vu la qualité de notre équipe nationale. Une bonne défense, un très bon milieu de terrain, super technique. Je dirais 2-0 pour être du côté conservateur. ¿Qué piensas para el primer match entre Marruecos y Irán? Bueno, lo que he escuchado es que son equipos muy buenos. Marruecos es el campeón de África, entonces creo que va a ser un partido difícil. De hecho, vamos a estar los mexicanos en el estadio. No sabemos a quién apoyar, a Irán o Marruecos, pero creo que va a ser un partido muy bueno. Ok. ¿Cuántos piensas que Marruecos ganará? Yo pienso que Marruecos ganará 2-1.
2-1. 2-1 Marruecos. But, tu supportes Marruecos ou... Marruecos, Marruecos. Muchas gracias, amigo. De nada. Bonsoir, je suis avec Kauter Bunkiren, qui vient d'arriver à Saint-Pétersbourg il y a à peu près une heure. Tout à c'est fait. Ça et donc elle m'a envoyé un message et je lui ai demandé de me rejoindre ici devant cette belle cathédrale. Zekaria, et ben on est très heureux d'être ici, de partager cette joie pour la Coupe du Monde. Inch'Allah, j'espère que les Marocains vont gagner. J'espère qu'on n'a pas qu'une Saoudine Aléoum, donc on leur porte bonheur. Très très bien, un vol super. Ocean Airlines, ils sont super, vraiment. Moi, j'avais peur au début parce que j'avais lu que c'était un vol listé, blacklisté. Et j'ai eu vraiment peur, mais non, on a eu un super vol. C'était super, super, super. Et arrivé, tout était clair. On a pu prendre la navette, le métro, comme tu nous as expliqué, avec tes belles vidéos pratiques pour les voyageurs. Première impression, c'est que c'est grandiose. Grandiose, propre, très beau. J'ai été subjuguée par le métro déjà, la profondeur du métro, l'escalier à ne pas en finir, beaucoup plus grand que celui de Paris, mais c'est magnifique, on a beaucoup de choses à voir, on n'a pas fini. Là, je suis fatiguée, mais il est hors de question d'aller à l'hôtel, on profite au maximum. Mexico, Mexico, ra, ra, ra. Mexico, Mexico, ra, ra, ra. Tic 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 tic. Vamos, Amin, 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 Mexico, جي تشوف فورس ها رون تشد ليا песню заводила про Степного сизого орла, брата Бога, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья,